Bienvenue à toi, Michel Vaillant. Tu es ici au paradis des pilotes automobiles. Que c'est beau ici. Oui, c'est très très joli. C'est assez banal comme endroit, certes, mais tu verras, tu t'y habitueras très très vite. Et juste. T'es Ayrton Senna? Oui, c'est bien moi, Ayrton en personne. Je suis le dieu des pilotes de course. Eh ben ça alors. En voilà une bonne surprise. Ah, t'es ravi de me voir, n'est-ce pas? Ouais, un petit peu. Bon, alors, trêve de plaisanterie, mon cher Michel. Mais qu'est-ce que dit le grand livre? Eh ben, Michel, dis-moi, tu as commis quelques péchés lorsque tu as remporté le Grand Prix de Monaco? Oh, putain. Ben ouais, t'as provoqué une baston dans un restaurant chic. En plus, c'était... une promotion d'une nouvelle Ferrari qui allait participer aux 24 heures du Mans. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Bah, on était bourré. Désolé, mon cher ami. Tu vas devoir passer une purgatoire pour être sûr d'être l'un des nôtres. Et si tel est le cas, tu pourras t'inscrire au grand mur des champions à ta droite. Le grand mur là-bas? Ouais. Bon, il s'agrandira avec le temps, tu sais. Et si ce n'est pas le cas, nul ne sait quel destin funeste. J'avais un chat dans la gorge. Pardon. Nul ne sait quel destin funeste pourrait t'arriver. Porte numéro 1. Bon, ben... merci. Quand même. Oula, vu la forme du chiffre, c'est ici le 1. T'es qui, toi? Allez, mon chien, je vais m'occuper de toi. Nye, 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 nye. Mais où est-ce que je suis tombé, là? Bonsoir, mon cher... comment tu t'appelles, toi? Oh, vous me connaissez pas? Non, je ne te connais pas. Ah ouais, je suis Dan Weldon. Ah, bonsoir mon cher Dan Weldon, bonsoir, tu es le bienvenu ici au paradis des pilotes automobiles. Oh yes, my god. C'est bon, calme-toi. Nous allons faire le point ensemble si tu le permets. Excusez-moi, j'étais en train de refaire ma braguette. Ça se fait pas d'accueillir les gens comme ça avec la braguette ouverte. Heureusement que je l'ai pas vu. Soit. De toute façon, on est au paradis, ici. Yes, 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 yes! Alors, que dit le grand livre, mon cher Dan? Tu as malheureusement, toi aussi, commis des péchés durant ta carrière de pilote d'IndyCar. Tu as courtisé de jolies Amazones. Des Amazones, oui. Oups, désolé, autant pour moi. Ça c'est Jim Douglas. Va falloir que je lui cause celui-là. Alors, toi... t'as voulu verser un pot de vin à Jenson Button. C'est bien ça. Je n'ai pas été désigné pour... Non, ne te cherche pas à te justifier. C'est un détail quand même très très important. Et crois-moi, pour ton dossier, ça risque de te coûter extrêmement cher. Ah, ça risque de me coûter la peau des couilles. Bien sûr que si, ça va te coûter cher. Désolé mon cher Dan, pas de paradis pour toi non plus.
Purgatoire, porte numéro 2. Marwan. Hello. What's your name? Well, see the people. No. Hey, Dan, ça va? Yo. Hey, Pierce, comment ça va? Oh bah écoute, hein, je me suis tué dans les années 60 sur le circuit de Monza. Toi, tu t'es tué où? À Las Vegas. Oh my God! Salut Carlos! Mais que tu viens faire là? Bah écoute, je suis là autant qu'on en profite. Sois le bienvenu au paradis des pilotes automobiles, mon cher ami. Merci. C'est beau ici. Ouh, pas si vite, pas si vite, José Carlos Pache. T'as dû peut-être commettre un tout petit péché, un petit péché de rien du tout, d'un chouïa. Comme tes prédécesseurs, je sais pas moi. T'as raison de consulter ça. Non. Le grand livre est formel. Tu n'as commis aucun péché. C'est même toi qui as remporté le tout premier grand prix du. C'est... Tu es le tout premier pilote à avoir remporté le grand prix du Brésil. Pilote brésilien. Oui, pilote brésilien, évidemment. Puisqu'autrement, je leur ai dit devant quelqu'un d'autre. Mon brésilien, bah, que veux-tu que je te dise? T'es pas fier de moi? Eh, c'est vrai que le circuit est à ton nom? Et alors, c'en est où les aménagements, là, de l'autodrome José Carlos Pache? Bah, écoute, de ce que j'ai vu dans le ciel, ça avance. Tu sais, mon ami, tu as de la chance, toi. Pas de purgatoire pour toi. Sois le bienvenu chez toi. Porte numéro 3. Merci Ayrton. De rien, y a pas de quoi. Bienvenue au paradis. Allez, au suivant. Ayrton. Ouais. J'inscris mon nom tout de suite. Bah non, t'es pas obligé. Cool, ça peut attendre alors. Oui, profite de visiter la région. Ça ne dérange pas, j'ai du travail. Ok. Je te laisse. Numéro 2. Numéro 5. Numéro 3. On va y arriver. Tiens, bah c'est vide ici. Bof. Putain, quel connard ce dieu. Il m'envoie au purgatoire, celui-là. Je suis un numéro 1 du top 50, bordel. Et en plus, ça fait 30 ans que je suis mort. Alors, un peu de respect. Hein? Qu'est-ce qu'il y a là? Je vais voir ce que c'est. On me dit d'aller là. Ok. Bonjour, tu peux me dire où sont les toilettes? Je vais te tuer, Daniel Balavoine. Enfoiré! Oh oh oh, je me casse. Dark le drague complice en chance. Wop, wop là. Hello.
que j'arrive pas trop tard. Numéro 5, ouais. Salut les petits. Clou. Mais y'a personne. Ah, oh, il m'a encore posé un lapin. Qu'il aille crever. Putain, je vais aller interviewer Claude François. Lui au moins, il vaudra bien. Bon, où est-ce qu'il m'a dit le du Ayrton Senna où il était le... Ah, et puis merde, je vais passer de l'autre côté de la voiture. La cloison. Ah là là. Vraiment que j'arrête de bidonner. Ah, j'ai envie de pisser. Ah, et puis merde, je pisse là. Ouais. Ouais, et puis merde, plus sérieux, bordel, je suis un présentateur de la télé, moi. Bon, où est-ce qu'il est le paradis? T-shirt français, il est par là? Par là? Ouais, puis merde! Salut à vous les abonnés, les viewers, les amis, comment allez-vous? Ici LT, le dieu du sport automobile, plus connu sous le nom d'LT Gigi Giga. C'était l'épisode 18 de Gold Adventures. Alors, veuillez m'excuser, mais j'ai fait la réalisation du speech tout seul. Malheureusement, le envol était indisponible pour des raisons personnelles de dernière minute. Voilà, changement de planning, en quelque sorte. Et donc, je vais un petit peu vous faire le tour de cette map. Parce qu'il y a un gag qui aurait dû être fait, mais malheureusement, j'ai pu vous faire que le gag numéro 2, le gag numéro 3. Le gros gag numéro 1 a été supprimé parce que... vu que l'envol était pas là. Et du coup, le petit gag numéro 1, on s'en foutait, quoi. Je l'ai laissé tomber. Alors, donc, voilà, je vous fais un petit peu découvrir la map. Et donc, j'ai pas été tout seul à réaliser, puisque l'envol était là. Matt5755, Kingagan également, pardon, et Gigi Marshmallow. Donc, je les remercie à eux trois de m'avoir aidé à développer cette map. Et leurs noms en tout cas seront cités dans la description. Je parle à un villageois. Qu'est-ce que tu vends toi? Tu vends pas du Red Bull? T'as pas un vinyle? Non? Même pas? Qu'est-ce qu'il y a, connard? Pff, va te faire foutre. Et donc, ouais. Donc, je voulais vous dire autre chose, mais un peu plus sérieusement. L'épisode 20 de la playlist Gold Adventures a été finalement déprogrammé. Il sera annulé. Donc, du coup, ce qui fait que la saison 1 va se terminer sur l'épisode 19, Bienvenue dans l'Himalaya. Bon, je vais un petit peu vous faire visiter les autres bâtiments. On a vraiment fait du beau boulot. Après, certes, l'envol a fait sa petite dose, hein. Voilà, c'était ça qu'il devait vous montrer, mais il n'était pas là. Donc, dommage, mais je montre ce qu'il a fait pour vous montrer quand même que c'était pas dégueulasse du tout. Et croyez-moi, c'est cool, hein. Moi, j'ai fait les purgatoires. Le Envol a fait les purgatoires en travaux. Et ça aussi. Après, Gigi Marshmallow, il a fait ça là-bas. Après, avec Matt5755, on a fait ses formules en or. La cloison, c'est le Envol qui l'a fait. Le grand mur, c'est moi qui l'ai fait. Et la petite boutique de souvenirs, bah, tout simplement, voilà, c'est le Envol qui a construit le bâtiment. Et puis, c'est moi qui ai fait la petite touche sur le toit. Et puis, ça, c'est Gigi Marshmallow qui l'a réalisé. Donc, ça nous a pris, je sais pas, 2 bonnes heures pour faire cette map. Un truc comme ça. Donc, il faut respecter ces gens-là qui ont travaillé derrière cette map.
Donc vraiment un gros bravo à ces trois-là. Je m'en félicite aussi personnellement. Donc l'épisode 19 sera donc la fin de la saison 1. Et je tiens à vous annoncer que je viens tout juste de créer une communauté spécialement pour la playlist. Où je vous confirmerai tout pour la saison 2 et puis également en ce qui concerne la playlist des OAV inédits. Donc voilà quoi, c'est réservé aux fans de Minecraft, tous ceux qui sont fans de la map Goldorak, tous ceux qui sont fans de Gold Adventures et aussi également aux admins de la chaîne Fresh Open Youtubers dont je suis membre et les abonnés. Donc voilà voilà. Donc on s'arrête sur ces images, mais donc un petit bonus qui était normalement censé marquer la clôture de la saison 1. Donc voilà. Je vous le fais maintenant puisque l'épisode 19 sera sur Minecraft Pocket Edition. Donc c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve donc très très vite pour de nouvelles vidéos et ne manquez pas donc très prochainement le tout dernier épisode de cette première saison. Allez, bye bye, safety clou, partez-vous bien, à la prochaine. Yeah!